De crâne sur le fait faut être écolo, tout ça, c'est notre point, chacun son point de vue. Mais on fait plus attention, genre depuis que je suis là par exemple, j'ai pas mes mégots par terre. On fait plus attention à ça et pas mal de choses, tout ce qui est. Vraiment prendre conscience de la nature, quoi. Enfin, pas être là à. Ouais, c'est beau, on se casse. Moi je trouve que on prend pas le temps en fait de regarder. Genre une fois on a été se baigner dans les cascades, on a fait de l'escalade et la vue était juste grandiose. On n'a rien à côté. Quand on est en ville, on n'a pas le temps ni le besoin de se retrouver ou quoi, enfin, ni l'envie de prendre le temps de regarder la nature, puis il n'y a pas de nature qui nous entoure, quoi. Donc moi je trouve ça assez important. C'est la vie en communauté, c'est-à-dire que vivre avec beaucoup de gens, pour la plupart on ne les connaît pas, c'est intéressant, on vient tous de milieux complètement différents, que ce soit du milieu artistique, milieu de la ville ou ce genre de choses, et c'est intéressant de voir qu'on arrive à tous vivre en communauté, malgré tous les passés qu'on a, quoi. Donc ça c'est le premier terme qui définirait bien Saomédé. Le deuxième, ça va être vraiment la tranquillité. C'est-à-dire qu'on se rend compte à Saomédé qu'on peut faire beaucoup de choses tout en prenant le temps de le faire. C'est-à-dire ne pas se précipiter, etc. J'ai pu constater à Saomédé qu'on multiplie le temps par 3. C'est-à-dire que 5 minutes, finalement, c'est 15. Et qu'on met du temps à faire les choses. Mais on les fait bien quand même. Et pour terminer,
Et ça va m'aider, c'est vraiment un détachement. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses dans la vie de tous les jours qui ne sont pas nécessaires, notamment par exemple la télévision. Je me suis rendu compte que je n'utilisais que très peu ma télévision chez moi. S'il n'y en a pas, donc c'est très bien. Et c'est ainsi de suite pour beaucoup de choses. Mon téléphone portable, je l'éteins en arrivant et je le rallumerai en partant. Donc voilà, c'est quelques exemples comme ça. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un détachement par rapport à la vitesse de la ville. Ici, on prend le temps de faire des choses et ça ne nous empêche pas de bien les faire. Et puis autrement, du coup, nous, on a beaucoup de choses à faire. Et on vous laisse profiter de la main-d'œuvre collective pour faire des travaux forcés. Volontaire. Non, mais c'est. Du coup, on va vous proposer des choses et chacun, en fait, pourrait se manifester pour savoir qui serait intéressé pour faire des petits groupes de travail cette semaine et nous, après, acheter ce qu'on a besoin en fonction du manque de matériel. Donc, en gros, ce qu'on a besoin. Comme atelier, on pourrait mettre en place, c'est le toit végétal. On a un grand toit sur le bâtiment qu'on a rénové, qui n'est pas fini. Il faut monter des tonnes de terre. Ouais. Donc ça, c'est un atelier où il faut qu'on commence à découper dans un petit champ en bas, en fait, des plaques de pelouse. Donc il y a un atelier où on découpe, un atelier qui trimballe, et celui qui monte et qui pose. Donc là, ça demande beaucoup de gens. On peut faire une chaîne humaine pour faire ce truc-là. Parce qu'il faut toujours améliorer la cuisine, améliorer des trucs. C'est toujours des trucs à améliorer. Particulièrement, là, il faudrait qu'on remette la bâche parce que c'était n'importe quoi. Il faut toujours améliorer la cuisine, par exemple, ou le coin vaisselle. Il y a un bidon qu'il faut vider, qu'il faut nettoyer, mettre un bidon de flotte là. Faire agencer les trucs pour que ce soit un peu plus pratique. Quoi. C'est ça. Là c'est chacun, tu vois, maintenant qu'on s'approprie le lieu et on essaye de voir qu'est-ce qui peut l'améliorer, quoi, en fait. Par exemple, il manque par exemple des meubles pour ranger la bouffe, il n'y en a pas assez, par exemple, si vous récupérez du bois, hop, tout marteau. C'est assez compliqué de bien expliquer tout. Ouais. Je dirais que ça aider, c'est ce que les gens en font surtout. En fait, c'est le principe de on vit tous ensemble en harmonie avec nous-mêmes et avec la nature qui nous entoure. Et c'est super chouette. Alors, pour expliquer un petit peu, c'est un peu une tronche de grand squat. C'est hyper sympa. Quand tu arrives, tu reçois comment ils appellent ça ? Un signe astrologique maya. Et du coup, en fait, qui correspond à. Il y a quelques journées de temps en temps où t'es de corvée en fait. Ouais, c'est ce système un peu, ce système social en fait qui s'installe dans le village qui est carrément pas le même qu'on a chez nous. Et c'est hyper intéressant parce que bon ben voilà en fait t'as une grande liberté d'autonomie. Ça te pousse un peu à pouvoir faire des trucs que tu fais pas forcément chez toi et à pousser plus loin ta réflexion sur. Sur c'est quoi ta vie, c'est comment tu vis avec les autres. C'est hyper intéressant de connaître au moins une fois cette espèce de ce type de comment on dit d'organisation en fait. Et de se dire que voilà en fait quand tu fais quelque chose, c'est tout le village, ça se répercutera sur tout le village. C'est dire qu'en fait voilà je suis pas là avec les autres mais je vais bien avec les autres, je suis pas à côté mais bien avec, et c'est ça qui est super important. Je crois qu'on est dans le vivre ensemble. Bah ça m'aider, c'est bien quoi. Ouais, c'est coupé du monde, si on pense à rien on pense plus à rien. Bah j'ai bien aimé moi. Ça a changé quoi par rapport à Nantes? Bah ça change tout, il y a rien, ici il y a pas autant de pollution qu'il y a à Nantes, il y a personne qui te prend la tête, il y a personne qui crie. On n'entend pas les voitures, on n'entend que les animaux, les bruits de la nature. Ça fait du bien. Oui. Ah oui, hein, je conseille aux gens s'ils en ont marre de tout, ils viennent à Sao Médé. Hein.
Ça va, Déborah? Ouais. La journée chantier. Il fait chaud. T'as fait quoi du coup ce matin sur le chantier? J'ai mis des briques dans la bouette, j'ai fait la terre. Après, j'ai mis la tête, j'ai rien. Je fais la cuisine. Et c'était quoi du coup le but ce matin là pour expliquer De faire un toit végétal. D'accord. Alors, Gwen, ton expérience à Sao Médé, qu'est-ce que tu en retiens? Que du positif. J'ai super adoré. Qu'est-ce que t'as le plus aimé? Le contact avec les gens, j'ai surtout adoré. On a fait quand même des liens assez forts avec certaines de personnes. Puis voilà. T'as fait quoi à Sao Médé autrement? Qu'est-ce que t'as vu que t'aurais pas vu à Nantes? Le paysage. Surtout le paysage, la mer bleue, les carrières bleues. Enfin, juste magnifique, le cadre était juste magnifique. Les eaux thermales aussi. Ouais, les eaux thermales aussi, j'ai oublié. Ouais, c'était des trucs super magnifiques. Qu'on vit pas ça à Nantes, enfin, qu'on vit jamais ça à Nantes d'ailleurs, à part le béton. Voilà. Et le premier jour, quand t'es arrivé ici, t'as fait quoi? J'étais un peu hier, on est rendu où et tout, puis après, je me suis vite adaptée. Si tu devais présenter Sao Médé à des gens, qu'est-ce que tu leur dirais? Que s'ils veulent se couper du monde, qu'ils viennent là, quoi. S'ils en ont marre. Se vider la tête. Ça fait du bien de se couper du monde? Un peu. Un peu. Ça change un petit peu de la vie de tous les jours? Ouais, c'est clair. La première impression, c'est... Déjà, les gens ne sont pas comme nous, enfin, c'est différent, mais... Ils sont pas comme nous. En quoi ils sont pas comme nous? Je sais pas, c'est pas le même délire, c'est pas le même... Mais ça change. Je vais manipuler les images, tu vois, pour leur faire dire ce que j'ai envie que tu dises. On a un pouvoir exceptionnel quand on fait du montage vidéo. Ça m'aide, on est propre. Tu rigoles, attends. Je t'ai entendu pouffer. À Sao Médé, on est propre. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci Manu. T'auras vraiment enrichi notre vidéo. Ça fait 4 jours que je suis ici. C'est le premier jour où j'ai pu me reposer. Et pourtant, je suis le jour de bouffe normalement. Ouais. T'as esquivé les corvées? T'as fait de la cuisine quand même ce midi? Ce midi, vite fait un peu de cuisine. Le couscous, super bon couscous. Ouais, je sais, c'est mon idée. C'est mon idée. Enfin, l'idée de mon groupe. J'étais pas dedans d'ailleurs. On est venu me voir, on m'a dit t'es jaune. Ouais. Demain, on fait un couscous. D'accord. Alors, non, mais c'était cool. Juste pour savoir, on peut faire un petit tour de table. C'est quoi ton nom exact à Sao Médé? Ah oui, non, ton astrologie maya. Je suis étoile jaune, la star. Ou, je te laisse dire. C'est les gens qu'on mettait à une époque dans la société, ouais, dans des endroits où souvent on leur faisait prendre des douches. un peu chelou. mais ça reste gaz, entre quoi. Nous. Bref, c'est l'étoile jaune, quoi. Ok. La star. Max, toi, t'es quoi? Moi, je suis voyageur céleste rouge résonnant. Oh, bah dis donc, oh la vache, j'ai du lourd sur ton astrologie maya. En fait, je suis juste un oiseau migrateur. Un rouge-gorge migrateur qui fait beaucoup de bruit dans les montagnes. Après, la meilleure chose, je pense que c'est l'ambiance générale, en fait, qui fait qu'on passe un super moment. Et puis, ouais, l'ambiance générale et... Faites rencontrer des gens. Des belles personnes. Ils s'intéressent aussi à la... Bah non, ça va trop vite quand on part ici. Ici, on est. On se lève à l'heure qu'on veut quasiment. Comment dire. Nantes, c'est. On a nos habitudes à Nantes, alors qu'ici, on a aucune habitude. Parce que... À Nantes, il y a moins de mouches. Ah non, il y a moins de mouches. Surtout que t'en as une sur la joue. Car... Nous, nous ne vivons pas la fosse avec l'air. Qu'est-ce qu'on l'a rempli? Et là, il y a Moltonel. Who would lie?
Thank you.